mes amis, c'est Hugo. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série sur un jeu dont je vous en avais parlé. C'est Planet Zoo. J'espère que vous êtes tous et toutes bien. Pour ma part, je vais bien. Je suis chez ma compagne. Donc, pour les intimes de YouTube, c'est Simset Gameuse, donc alias Mimi. Voilà. Donc, nous, on va commencer notre série. Alors, j'ai choisi ce terrain. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer. Alors, il faudrait peut-être que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de construire un zoo qui soit pas mal. Alors, architecture, non. Enseigne non plus. Alors, voyons voir. Ça, c'est sans s'en fiche. Ah oui, allez. On va faire un petit aller. Donc un petit aller. Ici, ça sera la résidence de nos chers employés. Donc, hop, je vais peut-être un petit coup de bulldozer. Non. Comment je fais pour je voudrais. Voilà. Donc je commence la petite série. Comme je vous l'ai dit, donc durant la semaine impair, ça sera Planet Zoo. Et le jeu dont je voulais parler, c'était Man of Medan, donc de la série l'éditeur, comment il s'appelle déjà, Civ Games, voilà. Donc on verra ce qu'on fait. Alors, locaux personnels. On va plutôt partir. On va faire. On va partir par filtre. Marque. J'ai pris tout le pack. Alors, on va prendre un petit cabinet. Ça s'enlève. Sauf que c'est pas bon. Comment je fais pour le modifier? Déplacer, voilà. Alors. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je vais juste. Est-ce que je peux supprimer? Voilà. Supprimer cette partie. Elle était moche. On va remettre donc service. Comment on fait pour l'aligner le machin? Ok.
Ok, j'essaie de retrouver. Ok, là c'est parfait. Ça me semble bon. Comment ça escalade? Escalade d'activité. Alors, atelier, on va le mettre juste à côté. Je fais pivoter la souris. Qu'est-ce qu'on a? Centre d'échange. Voilà. Une petite zone de quarantaine. Il faudrait que j'essaye de faire pivoter l'engin. Comment on fait déjà pour pivoter? Ah voilà. On recommence. On a dit ça. Il n'y a pas une petite salle, voilà, petite salle du personnel là. Par contre, je vais essayer de te déplacer. Voilà. Ça fait moche, je trouve. Vous faut une cabane de soigneur. Et ben voilà. Je veux modifier. C'est vraiment pas terrible, hein. Je peux pas le déplacer parce que là, voilà. Ça aussi, je vais le déplacer. Déplacer. On va le mettre un peu plus loin. On va le mettre là. Juste ici. Quitter, s'il te plaît. Juste ça. On a dit déplacer. Ah. Ben voilà. C'est bon. On a réussi. Ah, créer notre petit espace. Donc, on va mettre une zone pour les gens. Donc, on va faire non, ça c'est une supprimer l'allée. J'ai dit ça. Alors, on va faire comme ça. Ça, c'est employé. Voilà, on va partir de... Mais non. Une petite allée. Déjà, je vais supprimer ce morceau.
Voilà, que ce soit droit quand même. Alors, service. Service visiteur. Entrée de zoo. On l'a mis, on s'en fiche. Petite boutique. Ah. Déjà, on va mettre les poubelles. Les poubelles. Les toilettes ici. Juste me déplacer, juste. Comment on fait pour déplacer? Voilà. Parce que là. Sinon, c'est caché. C'est bon. Alors, quoi d'autre? On va mettre restaurant. Juste là. Alors. Voilà. Utilitaire. Vivarium, on mettra après. Qu'est-ce que je peux mettre? Centre d'échange. Il n'y a pas des fast-food. Alors on est en Europe. Ok. Donc, zoo, il est fermé. Zoo du monde. On va choisir alors. Donc, déjà, on va prendre des animaux. On va prendre des bouquetins, s'il vous plaît. Alors, adopter. Oh oui, il est vieux, lui. Envoyer dans le zoo. Oiseau. On va une petite clôture. Beaucoup plus loin. Va alors. Allez, je veux une. Voilà, là on s'arrête. Et là, Duke, je veux. Alors, Zo, on a dit bouquetin. Zoopédie, s'il vous plaît. Merci, Zo. Alors. Ok. Il faut 390 mètres carrés d'espace et niveau 2 en termes de clôture. Okay. Et ils disent pas niveau 2. Ok. Alors, clôture niveau 2. Niveau 5, niveau 2. Voilà. Encore, je pense.
Je regarde. Ouais, ça devrait aller. Donc ça, je vais juste couper. Clôture, on peut pas la retirer, la clôture. Et... Ah bah voilà. Donc je vais juste continuer. On va faire l'aller comme ça. Hop là. Et du coup, cette partie de l'aller, je la supprime. Et c'est bon. Alors, on a dit. Destination non valide. Mais il faut dire que si on a... Service... C'est où le personnel là-dedans? Ah! Animaux. Ah oui. Zoo, déjà, on va... Deux. Vendeur. Un. Deux. Vétérinaire, on va mettre. Un. Deux. Même un troisième d'ailleurs. Donc ça, hop. Ça devrait être bon. Y a du monde, enfin. Sauf que mon boulot ne convient. La zone de travail, la zone inclut pas l'univers. Ah bah oui, mais en plus, si je mets pas de porte, ça peut pas le faire. Clôture. Il me faut une porte. Voilà. Et donc. Toi et toi et toi déplacer. Hop là. Alors, Ebita. On a dit bouquetin. Bouquetin.
Là. Un, deux. Un grand abreuvoir d'eau. Et voilà. On va te mettre un petit griffoir ici. Et là-bas, ça c'est bon, mangeoire pastèque. La mangeoire pastèque, je vais te la mettre juste à côté de ton nid, enfin, où tu peux dormir, et la mangeoire suspendue, pareil. Là, ici. Alors, eh bien, c'est bien. Soigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Et le chat qui gratte. Ah, on a déjà les premiers invités. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Service. Information. Un panneau sur les bouquetins. Mince. Voilà. Panneau, pas d'électricité. Bah oui. Ça semble normal. Ça me semble normal. Alors, éliminaire, on va mettre éolienne. 2000. Et on va le mettre là. Ben voilà, c'est bon, tout fonctionne. Normalement, tout fonctionne. Alors, on n'a pas d'affichage. Remplacer, pas nécessité. Crise. Déforestation. On n'a pas de d'électricité, c'est quand même bizarre. Option de préservation. Y a quand même pas mal de monde. Donc en face, je pourrais mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Éducation, j'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais bouquetin. Ah oui. Alors, modifier la clôture. Voilà. Paf. C'est pareil. Comme ça, les animaux verront pas. On va faire pareil.
Pareil dans ce sens. Bé. Voilà. Ça, c'est bon. Quel animal serait pas mal? Il y a de la nourriture ou pas? Dans les mangeoires. Alors oui, effectivement. Alors la zone. Je vais essayer d'en créer une deuxième. C'est ce qu'on va faire. On va une allée expressément. Voilà. On va créer un deuxième habitat. Alors, service, on a dit vétérinaire locaux et on a dit filtre. Mais contenu, on a dit Europe. Voilà. Petite zone de quarantaine. Voilà. Un cabinet vétérinaire. On va essayer de le coller. On a mis le canet. Petite cabane du soigneur. Grande salle pour nos pour notre personnel. Voilà. Un grand centre de recherche, s'il vous plaît. Voilà. Et on va mettre du coup utilitaire, on n'a rien. Je vais mettre électricité dans tout. Électricité. Un petit panneau solaire. Et du coup. Zo, je vais licencier tout le monde. Bah ouais, hein. Oh. Donc, soigneur. Deux. Et ce soigneur-là, zone de travail, on va créer une zone. Soigneur vétérinaire, tu vas aller là. Et du coup, vendeur, je crois que c'est tout bon. Vendeur, j'ai pas de vendeur. J'en ai un. Cette fois-ci, on va mettre
Un agent d'entretien. Ah, elle va se coupler, magnifique. Alors, enclos, bouquetin des Alpes. Les Alpes. Alpes, voilà. Du coup. Chaque mois, créer une zone de travail. Et pouf, 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 pouf. Voilà. Du coup. Du coup, ta zone de travail. Une source inaccessible. On a déjà 2 étoiles. Alors, on a dit du coup vétérinaire zone 2. Zone 2. Voilà. Toi, tu vas aller zone 1. Zone 1. Toi, tu vas aller zone. Je vais créer ta. Pourquoi j'ai autant de monde? Voilà. Pourquoi j'ai autant de monde? Ça, on s'en fiche. Voilà. Voilà. Les zones modifiées. Hop. Ça, pas besoin. Pas d'électricité. Ok, vous avez mis.
Mais il n'y a pas de nourriture, qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, il y a eu des délits en plus. Oh, bon, bravo. Est-ce qu'ils ont faim? Non, j'ai pas l'impression. Zéro sur 100, ouais. C'est un visiteur. Il faudrait alors donc service. Filtre. Donc on a dit Europe. Atelier. C'est quoi un atelier? Ah, bah peut-être qu'on a besoin d'un atelier, je crois. Cabinet. Centre de recherche, centre de soigneur. Ah, et bah, je vais juste la déplacer et la mettre là. Voilà. Statut accessible. Allez, dépêchez-vous, vous avez pas. Ah! Je vais mettre un peu. Mettre un peu de roche. Voilà. Par contre, il faut de l'herbe. Ah, ils vont avoir des petits, yes. Alors, diminuer. Voilà, parfait. Ah.
Les deux joueurs Toxic Game et Hugo, bienvenue à vous deux. Oh, il y a un petit. Il y a un petit. Oh, il est mignon. Mais. Oh, il est mignon. Regardez, attendez. Comment on fait? Ah. Bouge pas. Bouge pas. Avec ta maman. Prendre en photo. Ben. Voilà. Parfait. Ben. Ben. Donc ça bouge. Ben. Et donc du coup, on va faire un autre enclos. Et ça sera alors cette fois-ci. On va prendre alors j'ai tout, je vais des cerfs. Voilà, on va prendre des cerfs. Donc, construction, on va faire une allée supplémentaire. Allez, en écorce, s'il vous plaît. J'aurais dû faire comme ça, tiens. Oui, voilà. Non, c'est bon. Alors, donc, on a dit. Habitat. Enclos de bouquetin. Ok. Donc, cerf. On en a un. Elle est trop vieille. Lui est bien. Elle est bien. On va créer donc l'enclos. Donc il faut que je trouve. Alors. Il faut donc 360 mètres carrés. Ils font environ donc pour deux adultes, ça sera à 405 mètres carrés et clôture niveau 2, environ 1,50 m. Clôture niveau 2. On va continuer. Ça devrait aller. Encore. Voilà. Parfait. Donc il faut une porte, bien sûr. Ben, il faut. Attendez, ça fait moche là. Ça fait vraiment moche, donc on va repartir comme ça. Voilà. Et du coup, une entrée. L'entrée est comme ça. Et du coup, alors.
Le biome, prairie, climat tempéré, taïga. Ok. Donc, habitat. On a dit cerf. Donc, on va mettre. Oh. Ça sera un couchage. Comme ça. Et je vais te mettre donc de la paille. Comme ça. Je vais te mettre une grande mangeoire d'eau. Où est la porte ici? Ok. Une là. Une là. Deux balles à fourrage. Deux ballons de football. Un grattoir. Là. Et là. Et ici aussi. Voilà, ça c'est bon, petit abreuvoir. Vais te mettre quand même. Une petite forêt. Voilà. Donc c'est bon. Alors. Donc zoo. Le cerf. Hop. Zoo, on a dit. Alors. Cerf. Oh, on a plein de poutins. Beaucoup de bébés. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ah bah t'es inefficace maintenant. Et il faudrait donc une allée. Voilà. Rappel. Ah, il faut un mécanicien. On n'a pas. Alors, habitat. Oh! Vous entendez le chat miauler? Alors, on va donc, on a un mécanicien qu'on va mettre là. Un, deux. Le travail, deux. Deux. Qu'est-ce qu'il a la lame?
Et le chat qui miaule, vous l'entendez pas, mais le chat il miaule. Attendez, je vais l'appeler. Luffy! Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Ah ben il y a du monde. Donc, on va donc Zo on va créer une nouvelle zone. Ça sera hop hop hop. Non. De recherche, hop, voilà. Zone de travail vers les serfs. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as, Queenie, hein? Que t'as râlé? Alors, on va soigneur ici. Soigneur vétérinaire ici. Donc, ça sera zone, voilà. Oh, il y a du monde. Il faudrait que je mette un service. Une petite cabane. Un petit atelier aussi. On va mettre une zone électricité, je vais mettre voilà. Et par contre, on va mettre mince. Supprimer cette ligne, voilà. Voilà, tac, et allez, les rondins. Voilà. Ah! Et donc, on a dit pour le personnel là. Luffy, viens!
Viens, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu râles? Hein? Voilà. Et donc, cette allée, on va mettre en vert. Non, elle n'est pas là, Geneviève, elle n'est pas là. Vous savez pourquoi il râle? Parce qu'il voit qu'il y a des chats à l'extérieur. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire une petite allée également pour leur faire manger. On va les emmener ici. Voilà une petite allée. Voilà. Effie, viens ici, viens. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Va mettre un cheese beef. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six vendeurs. Donc, on va prendre Zo. Vendeur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pourquoi ils vont pas se promènent, d'accord. Pas d'électricité dans le service. Ah. Je vais mettre juste alors une petite allée. Et j'ai juste peaufiné, je vais terminer, je vais mettre du coup service lumière s'il vous plaît. Voilà. Ah bah quand même. Quand même, quand même, quand même. Alors. Ah, les deux cerfs sont ici.
Bon, bah, ça me semble pas mal. Ça me semble ma pas mal. Voilà. Bah, mes amis, moi, je vais me mettre là. Voilà. Et nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Regardez comment on fait pause là-dessus. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Mettez un max de pouces bleus. Commentez et partagez mon contenu sur votre chaîne ou vos chaînes respectives. Et me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont à la fois en description au sein de ma chaîne et également en description dans les vidéos. Quant à moi, je vous retrouverai prochainement pour des nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille et surtout de votre santé. Restez vous-même car vous êtes les meilleurs. C'était Hugo Alessio King, toujours pour vous servir et vous apporter du contenu à la fois divertissant, fun, drôle et avec de belles images. Des bisous mes amis. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao ciao.